Les passagers à destination du vol New York 711 sont priés de se présenter porte B. Ladies and gentlemen, passengers flight 7112 New York City, please proceed to the boarding gate B. Pasajeros del vuelo 711 con destino a Nueva York, les recamos presentarse a la puerta de embarque B. Bonjour tout le monde, c'est Drof, et aujourd'hui, vous l'avez compris, on part pour un petit voyage direction New York. Bonjour à tous, ici le commandant de bord de votre Airbus A380. Nous vous signalons que nous avons un petit problème suite au poids de l'appareil et nous sommes en train de trouver une solution si nous allons atterrir immédiatement ou lâcher du lest. Non, au secours, j'ai pas envie de mourir, non, s'il vous plaît, hôtesse, s'il vous plaît, j'ai pas envie de mourir, hôtesse. Mais il va la fermer sa gueule, lui. Oh là 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 là. Rebonjour tout le monde, c'est votre commandant de bord à nouveau. Nous vous signalons que nous avons trouvé la solution. Nous allons devoir nous lester d'un passager. Donc du coup, nous avons fait un tirage au sort. Et c'est le passager numéro 22, donc allée 3, siège 22. Désolé, mais vous avez été éjecté de l'avion pour la survie des autres. Hein? Quoi? Mais non! Pourquoi moi? Je vais aller visiter New York, mais pourquoi ce serait pas mon voisin, lui qui devrait être éjecté? Non! Je veux pas y aller! Non! Non! Ah! Bon bah, vu que la chute a l'air d'être longue et chiante à écouter, on lance l'intro. Wouhou! Mais ça va pas la tête là? Les droits d'auteur! T'as cru que j'étais riche toi et que je pouvais payer une musique de Disney? Pardon patron. Bon bah, vu que j'ai plus le droit de faire ce que je veux, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Tom, je serai votre narrateur de cette série. Je serai là pour vous expliquer ce qui se passe, vous raconter ces histoires magiques et magnifiques. Bon, tout d'abord, commençons par Monsieur Dorf. Enchanté! Bien le bonjour! Mais qui est avec toi? Peut-il parler? Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir. Non mais, il le fait exprès, lui. Je t'ai dit que ça coûtait cher. Et en plus, Starkey, c'est un youtubeur célèbre. Non mais ça va pas, il va me coûter une blinde, celui-là encore. Pardon. Mais du coup, j'ai le droit de faire quoi exactement sur cette série? Parce que là, on m'interdit de tout faire. Bah, c'est pas compliqué, tu fais ce que tu veux. T'as qu'un budget de 28 centimes, voilà. Donc tu te démerdes avec ça. Il a bien dit 28 centimes pour monter une vidéo, payer un monteur et faire les records. Bon bah, vu que nous avons un budget tel une production d'Hollywood, nous allons faire des trucs en grand. Vous l'avez bien compris, il n'y a que moi. Eh oui, c'est Drof, je fais tous les personnages d'un cul, voilà. On n'a pas de sous, donc j'oublie de vous le dire. Et pour vous aider et ne pas vous tromper dans la voix, j'ai décidé de vous mettre le petit personnage en bas. Là, vous me voyez, Tom. D'ailleurs, ce serait peut-être sympa de rajouter mon prénom. Ouais, mais après, ils vont se poser, qu'est-ce que je fais? C'est qui Tom? Il fait quoi? Voilà, on va mettre Tom le narrateur. À chaque fois que quelqu'un parlera, vous verrez son nom. Et ce qu'il fait. Bon bah du coup je vous propose, on reprend, et s'il vous plaît lâchez un maximum de pouces bleus pour que j'ai un plus gros budget pour le prochain épisode. Allez, let's go! Donc du coup dans cette série, je vous présenterai des choses incroyables, des choses magnifiques, tout ce qui se passe dans Minecraft. Tu te fous pas un peu de notre gueule là? Il est en train de couper du bois, c'est les parties les plus chiantes du début d'un serveur. Bah désolé patron, mais vu qu'on n'a pas de budget, je fais avec les images que j'ai. Hein. Puis mes images à moi, ça me coûte pas cher. Bon, du coup aussi, je minerai pas des heures et des heures, parce que bah regardez, hop, deux blocs, paf, du diam, c'est magique. Non mais ce narrateur, je sais pas où tu l'as attrapé, hein, mais il est vraiment bizarre, hein, parce que ça fait quand même plus d'une heure que je mine. Désolé, hein, je l'ai trouvé devant la porte. Bien sûr, nous verrons ces combats épiques dans ce serveur, avec plein de suspense. Mais que va-t-il faire ce zombie? Mais après qui court-il? Oh, regardez, il va attaquer Starkey. Là, c'est obligé, les gens mettent un dislike. Tan 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 tan. Oh, pam pam. Attention. Mais il l'a eu, mais qu'est-ce qu'il est fort. Je sens que je fais virer ce narrateur. Avec des scènes encore plus épiques. Un zombie, un creeper. Un zombie, un creeper. Et en plus il parle, même pas en rythme avec l'image. Oh,
Attention. Mais il n'a pas vu le Grand Reaper. Mais il l'a pas vu. Attention. Non. Non. Je sens que cette série va vite s'arrêter. Boum. La suite au prochain épisode. Quoi? C'est tout? Bah, mets au moins l'outro et la chaîne à Starkey en description. Que les gens puissent avoir un peu plus de contenu quand même. Hein.